Il est des endroits où le départ de Tony Parker suscite plus d'émotions qu'ailleurs. Ce matin, INSEP, dans le dojo, les copains d'abord se chantent en la majeure. Moi, franchement, je le dis au nom du sport français, merci Tony. C'est le grand frère, c'est un exemple pour tous. Et il en a fait... voilà, moi, il m'a sorti... Voilà. C'est un mec qui, grâce à lui, on a envie de faire. Moi, quand je suis arrivé à INSEP, c'est vrai, on parlait beaucoup de Tony. Et c'est vrai que quand on entend nos pères, on a envie de faire autant. Et puis après, voilà, quand on devient en plus ami avec cette personne et que c'est un mec bien, c'est une fierté de voir ce qu'il a fait, d'être à ses côtés, de se dire, voilà, moi aussi, je veux le faire. Tony Parker et son incroyable pouvoir de sympathie. De l'autre côté de l'Atlantique, les Spurs, son équipe de cœur, saluent ces moments de bonheur partagés. Pau Gasol, l'Espagnol, équipier à San Antonio, rend hommage aux rivales, aux partenaires, aux modèles et aux frères aussi. En France, à la maison du handball, les Bleus à l'entraînement s'arrêtent pour saluer le grand joueur. Le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le sport français et l'image qu'il a donnée, parce que c'est aussi un super mec et un très bel ambassadeur du sport français. Après Lucas, son frère Nicolas Karabatic loue cette immense carrière. Christophe Lemaître remercie Monsieur Parker pour toutes ses émotions. Un merci pour tout signé Blaise Matuidi, hashtag légende évidemment. Jean-Michel Aulas note lui l'exemplarité de Tony Parker pour tous les entrepreneurs. La ministre des Sports, Oksana Maracineanu, évoque son respect et sa profonde admiration pour le joueur. « Tu es même presque allé dans l'espace avec moi », écrit Thomas Pesquet, photo à l'appui. Tony Estanguet, lui, préfère envoyer un message personnel à son ami Tipeee. Bravo, bravo pour tout ce que tu as fait pour le sport français. Ce parcours incroyable en NBA, ce parcours incroyable avec l'équipe de France de basket. Tu as toujours été un grand leader pour nous tous. Et moi, je voudrais vraiment te féliciter pour ta carrière incroyable. Aussi te remercier parce que j'ai des anecdotes, que ce soit pendant les Jeux ou je me souviens d'actions avec le Secours Populaire Ensemble auprès des enfants où tu avais un incroyable discours de mobilisation. Donc voilà, immense respect pour tout ce que tu as fait. Et vraiment, on compte sur toi pour Paris 2024. À très vite, ciao. Tony, combien de messages depuis hier soir? Ouf, j'ai jamais reçu autant de messages. Même quand j'ai gagné des titres, j'ai jamais reçu autant de messages. J'imaginais pas en fait l'impact et l'influence et l'inspiration que j'ai pu donner à tous ces athlètes-là. Moi, j'ai été pareil, inspiré par mon idole, Michael Jordan. Et je suis content de pouvoir, ou d'avoir eu, on va dire, l'opportunité de faire la même chose pour toute une génération d'athlètes français.